jazz, guitare solo, on ronfle. Or, c'est à partir de 3h30 qu'il faut se réveiller pour déprogrammer ce que la sorcellerie a programmé. Est-ce qu'on a bien saisi? Ce que la sorcellerie a programmé, tu viens, tu déprogrammes. Elle avait déjà programmé. Non, quand tu déprogrammes, t'as déprogrammé, c'est fini. Ça a été déprogrammé. Est-ce qu'on a bien saisi? Okay. Et comment, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as gâté d'abord l'ambassade et puis tu as gâté après la mine d'or. Tu as fait quoi? Comment tu fais pour tuer les gens? Explique, oui. Je me rends pour tuer les gens. En vautour. Puis tu fais comment? Quand je me rends, je me rends chez toi. J'appelle ton âge, j'appelle ton âge. Maintenant, comment tu fais pour donner la maladie, le cancer, le sein aux gens et tout ça? Tu fais comment? Quand tu fais comment? Les pouvoirs dans les yeux, oui. Regarde ici. Bien. Quand je m'en vais chez toi. Je vous informe que ici, nos filles, nos cultes, hein. La dernière fois, j'étais à l'étranger. Et puis j'ai vu un message d'une fille, c'était pratiquement des menaces, qui me disait, le dimanche ici, on a fait sa délivrance, elle aimerait que dans les heures qui suivent, sa vidéo soit outée sur le YouTube. Je n'ai pas répondu. C'est un dimanche. Je ne l'ai pas. C'est elle qui est tombée. Moi, j'ai fait ma délivrance, tranquillement. Or, si on a envie de demander ça, il y a la manière. Pas des menaces. Je ne suis pas allé filmer quand tu étais dans la chambre. Mon culte est filmé, ça reste comme une mémoire, et moi après le culte, je prends le temps de regarder. Donc je n'ai pas venu te filmer contre ton gré. Tout se filme ici. Je vous informe maintenant qu'on filme tout ici. Celui qui n'est pas prêt pour sa délivrance qu'on filme, la personne qui part ailleurs. Parce que moi-même j'apprends, je suis en train de créer un livre, j'apprends. Quand je finis ici, je regarde les actions, ça m'enseigne, ça m'instruit aussi. Allons-y. Les pouvoirs dans les yeux, quand je m'en vais chez toi. Ça fait quoi? Et les pouvoirs dans les yeux. Elle dit, elle a les pouvoirs dans les yeux. Et qu'est-ce que tu fais, ça? Quand je m'en vais chez toi, je rentre ta chambre et je prends mes yeux, les pouvoirs, et puis je te réveille ta vie, ouvre ta bouche, je mets les mauvaises maladies dans ton corps. Et puis je mets. Vous avez compris? Elle dit, tu veux bien saisir. Ça dit, tu peux être là comme ça, puis victime d'une sale maladie. Il suffit seulement qu'elle n'aime pas, elle veut mettre dans une maladie, elle rentre dans ta maison, et puis elle a le fou. Pendant que tu dors, tu ronfles, puis tu ouvres ta bouche là. Elle vient, elle dans ta bouche, dans des trucs. Elle met une mauvaise maladie, et puis tu as cancer matin. On dit la cancer. C'est comme ça. Oui, comment tu fais pour gâter la vie des gens? Oui, dans le canari, oui. Donc, madame, c'est toi qui es femme? Garçon, c'est femme? C'est garçon, c'est femme? Elle est ta femme. Hein? Tu gagnes quoi, les gars? Quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a un démon, n'est-ce pas? Il y a un démon. Est-ce que tu es prêt ou tu veux que le démon quitte ta vie? Dans ce corps, esprit de la sorcellerie, lâche-la, au nom de Jésus. J'ai toujours dit aux gens, tant que le sorcier n'est pas délivré d'un démon, si vous voyez un pasteur qui fait parler des gens et qui ne le délivre pas,
La personne n'est pas. Coupez. C'est que la personne n'est pas délivrée de l'esprit de la sorcellerie. Il va quitter son corps au nom de Jésus. C'est un ordre. Il va quitter son corps. Maintenant même. Voilà, quitte. Vous voyez, c'est le démon qui se manifeste. Vous dites, le corps est habité par un démon. Tu as vu tout à l'heure que je te disais que le démon est là. Voilà. C'est un démon qui est dans son corps. Or, si le démon ne sort pas du corps, malgré ses milliers d'aveux qu'elle vient de faire, elle demeure sorcière. Or, les aveux ne nous délivrent pas de la sorcellerie. Non. Après les aveux, il faut que le démon quitte le corps. C'est ce qu'on appelle la possession. La personne est possédée d'un démon. Or, c'est un grand pas. En faisant les aveux, on parle. Ok, ça c'est intéressant. Mais après, il y a une suite. C'est que la personne soit débarrassée d'un mauvais esprit. Il y avait un mauvais esprit dans la vie de cette personne. Or, si la personne n'est pas débarrassée du mauvais esprit, elle demeure sorcière. Lâche-la. Au nom de Jésus de Nazareth, je te commande par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Lâche-la. Le feu sur toi. Lâche-la. C'est un ordre. Oui, c'est un ordre. Tu m'entends, c'est un ordre. Tu vas quitter ce corps et maintenant. Voilà, lâche-la. Le feu sur toi. Le feu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu. Ouais, lâche-la. Sors. Quitte sa vie. Lâche-la. Ça veut dire qu'elle était possédée. C'est pour ça que tu es un sorcier. C'est dangereux. Elle est sous le contrôle d'un démon. Tu vas quitter sa vie. Au nom de Jésus. Va-t'en. Va. Viens t'acheter son palais. Va-t'en. J'invoque le feu. Au nom de Jésus. Attends. Feu. Allez.